nouvel épisode, enfin oui, si un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy XIII. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve devant un monstre Overcheat. Ah oui. Donc on va partir. Hein, on va mourir et puis on va repartir. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme idée. Je suis actuellement en train de faire XP un petit peu tous les persos. Je vais vous montrer ça. On va attendre qu'il nous ait tués et je vous montrerai ça. T'attaques pas en fait. Laisse-toi mourir. Hop. Donc en fait c'était ça qui était au niveau du du d'accord. Vous savez, je lors du dernier épisode. On s'était arrêté à un endroit où, enfin, il y avait un endroit où il y avait deux chemins et j'avais pas réussi à passer au chemin. Et du coup, on s'était demandé ce qu'il y avait et bah voilà ce qu'il y avait. Voilà. Ouais, clairement, c'est pas mon niveau. Clairement, j'y reviendrai jamais là-dessus. Mais c'était bon à savoir. C'était bon à savoir. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode qui, j'espère, cette fois fonctionnera bien. Parce que j'ai eu pas mal de soucis, que ce soit de record ou même de jeu. Pourquoi je parle de jeu, de record encore vous, enfin, il y a un épisode qui a sauté, mais vous ne l'avez pas vu. Mais je dis qu'il y a eu un problème de jeu parce que, clairement, les amis... J'ai déjà tourné. En fait, si vous voulez, il y a deux épisodes qui ont été tournés. Un que vous ne pourrez pas voir parce qu'il n'y a pas de son. Donc, je voulais pas vous mettre un épisode pour vous mettre un épisode sans son. Je trouve que voilà, c'est pas joli. C'est voilà. Et il y a un épisode que vous ne verrez pas, tout simplement parce que je passe mon temps à rager. Clairement, je vous allez voir, je vais affronter un boss qui est compliqué, qui est puissant, qui est voilà, qui est, c'est un boss quoi. Et j'en ai chié au niveau de ce boss. Donc, vous ne verrez pas l'épisode, tout simplement. Je vais pas l'uploader, je vais même pas le faire un rendu dessus et tout parce que franchement, je passe 20 minutes à rager et c'est pas joli. Et vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup pas montrer qu'il sait jouer, parce que ça, c'est... Clairement, il y a plus personne qui croit. Hein, que je sais jouer, il y a plus personne qui croit. Ou alors, si vous y croyez, c'est que vous avez confiance en moi. Genre, merci. Genre, vous croyez en moi, ça me touche. Mais faut pas. Faut pas, franchement. Mais vous allez voir, c'est un... Alors, je pense, en fait, peut-être que là, je vais le battre, mais genre, easy peasy. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup up les persos, comme vous pouvez le voir. Les persos ont énormément up. Donc, ce qui fait que potentiellement, on a nos chances de le battre. Potentiellement, hein, que ce soit. Mince, pas toi, je veux pas toi. Hop. Voilà. Potentiellement qu'on soit avec, enfin, vous allez voir, mais ça va être important de qu'on gagne. Ça va être important parce que voilà, là, je crois que je suis à bout, clairement, les amis. J'ai besoin de passer ce boss. Pour vous raconter, le boss, j'ai essayé de le battre. Donc à mon Au niveau où je vous avais laissé, donc au milieu de la ok, là il y a 300, donc on va les prendre au milieu de la grotte. Je vous avais laissé et tout, et en fait au niveau de cette grotte, tout simplement, bah plus loin, il y a un boss. Donc, je vais vous le montrer, hein, parce que voilà. Mais il y a un boss, et ce boss est littéralement... Merde. Est-ce qu'on va se faire se tuer? Vous savez quoi? Je vais vous faire une petite ellipse, le temps de... d'arriver ju ju
jusqu'à... Ouais, je vais avoir... je vais mourir. Je vais mourir, tout simplement. Je vais mourir. Je vais me laisser mourir. Et on va se retrouver... On va se retrouver au milieu de la... Au milieu de la grotte où je vous avais laissé lors du dernier épisode. Et on fera le voyage tous ensemble, tout simplement. Tranquillement. Entre amis. Voilà. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Là, juste pour vous montrer, je suis en train d'affronter le... Si vous vous souvenez, lors du dernier épisode, il y avait un monstre que je n'arrivais pas à battre. Et là, je suis en train de l'affronter. Et regardez, voilà. Une équipe un petit peu plus un petit peu plus meilleure, on va se le dire. Et surtout, un truc que je n'avais pas utilisé et que je me suis mis à beaucoup utiliser, ce sont les fortifiants et les comment les fortifiants et les je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, ce sont des objets qu'on utilise avant de lancer un combat qui sont juste énormes comme objet, puisque ça nous permet d'avoir des boosts de base, alors pendant un certain moment bien sûr, mais des boosts qui sont là et qui sont présents, et c'est juste plaisant, quoi, c'est juste extrêmement plaisant. Alors du coup, en le battant lui, moi je me focalise sur lui, à charger Zaz, donc bon, voilà. Normalement, avec tout ce que j'ai fait, je devrais pouvoir battre notre cher boss qui arrivera. Et j'espère vraiment, mais vraiment pouvoir le battre. Parce que alors là, je ne vous raconte pas comment j'ai... Sans mentir, j'ai galéré, mais comme pas possible, quoi, pour le battre. C'est juste abusé. La puissance de ce boss est juste abusée. Alors là, par contre, voilà. Merci. C'est pas que le jeu n'est pas joli, mais là c'est en mode bug et on est à 6 FPS et bon, hein, voilà. Je vous fais pas un dessin parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors par contre, on s'en sort méga bien parce qu'il a appelé qu'un seul pote, du coup ce qui fait que on reste plutôt dans les clous, hein. C'est ce qu'on va dire, hein. On reste dans les clous. Et c'est plutôt pas mal. C'est... Ok, ils sont trois maintenant. J'avais pas vu ça tout à l'heure, qu'ils étaient trois. Ok, donc là, on a tué le gros. Donc le gros de mort, franchement, après, voilà, c'est facile. Après, franchement, il n'y a pas de difficulté. Franchement, voilà. Une fois qu'on a battu le gros, c'est le plus simple et... Enfin, le plus dur est passé. Et une fois qu'il reste bah, le plus simple, hein, forcément, c'est pas compliqué, quoi. Normal. Normal. Hein. Si c'est simple, c'est pas compliqué. Lol. Épique. Voilà. Non, mais en fait, c'est important de bien penser à prendre leur PC. Enfin, leur. Oui, leur PC. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais j'avais clairement. Je pense, hein, on va voir avec le combat contre le boss, mais je pense que j'avais clairement un niveau en dessous du potable. Ce qui veut dire que même là, je pense que je suis encore au niveau en dessous. C'est-à-dire que clairement, je pense que le niveau au-dessus, c'est pouvoir battre ces mecs, enfin, voir... 1, 2, 3, 4, pouvoir battre la grosse boîte de conserve là sans l'aide de fortifiants, d'écran et tout ça. Je pense que c'est ça le gros du lourd, hein, le big. Et clairement, bah, je l'ai pas, donc bon. Donc voilà. Hop. Donc on s'était arrêté là, hein, et d'ailleurs on avait sauvegardé ici et tout. Et alors, les combats, je vais pas les faire. Tout simplement parce que voilà, hein, on va aller donner les cristalliums à Fang et à... Ouais, c'est bon.
donner nos cristariums à Fang et Vanny parce que c'est le plus important. D'ailleurs, Vanny a obtenu un ATB que vous voyez là, un segment ATB, grâce à sa compétence de soigneur qui a monté. Et franchement, là, on a 600 PV de plus qu'avant. Franchement, je pense que ça peut le faire. Je veux pas me vanter, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et tout, mais je pense que ça peut le faire. Non, non! Ah putain. Ok, bon, on va mourir face à eux parce que eux ils sont chiants. Franchement, voilà. Eux je les aime pas. Et c'est pas question de pas pouvoir gagner ou n'importe quoi, c'est vraiment question de. Ils sont vraiment horribles. C'est vraiment des monstres. Voilà. Je les aime pas et. Et c'est réciproque, je pense, hein, parce que vu le nombre de fois qu'ils m'ont tué, je pense que c'est réciproque. Allez, faites une explosion là et. Voilà, autodestruction. Lui, il fait autodestruction, ce qui fait qu'on va mourir, et puis voilà, ce sera fini. Voilà, deux autodestructions. Voilà. Hop. Mais si, c'est possible. Massaka. Ok. Clairement, là, je veux juste aller vite voir le boss avec vous. Parce que quand même, hein. Et puis voilà, tout simplement. Non, putain. Allez, tue-nous. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fuite. Ouais, franchement, c'est un truc. C'est dommage qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ennemi précédent, fermé. Non, il n'y a pas. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas la fuite. C'est un truc qui pourrait être mis, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, tuez-nous. Allez, il y en a un qui explose là, s'il vous plaît. Voilà, un qui explose. Voilà. Ils font très très mal les explosions, donc bon. Hein, on va essayer de passer en force. Hein. Enfin, pas de passer en force, justement, de passer en fourbe. Passer en fourbe, on va essayer de. Ah là, là on a une grande. Merde! Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Ces monstres me font chier. Littéralement. Et là, je suis grossier, mais là, j'en peux plus. Pour vous raconter, j'aimerais bien pouvoir passer à autre chose. Donc, ce qu'on va faire, une petite ellipse, le temps que je les passe. À tout de suite. On va utiliser ça et le furtif, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce que je viens d'utiliser? Tout simplement, ça s'appelle furtif numéro 6 et ça nous permet d'être moins visible aux yeux des ennemis. Hein, donc, ça nous permet de passer sous leurs yeux beaucoup plus facilement. Ce qui est, ma foi, fort sympathique. Hein. Hop. Oh, le boucan qu'il fait, lui, c'est vrai. Alors là, on arrive dans une zone où il y a un falsi qui fait un boucan juste monstre. Mais quand je vous dis monstre, c'est monstre, hein, vous entendez? Il fait du boucan, beaucoup trop. Beaucoup trop de boucan. Donc, eux, je veux bien les battre parce qu'eux, ils sont cool, hein, eux, ils sont gentils, eux, ils sont. Voilà. Hein. Non, franchement, il y en a certains. Je veux vraiment pas les battre parce que, voilà, ils sont chiants. Parce que. Donc, on prend. Comment il s'appelle? Les. Oula, 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 oula! Merde! Bon, bah. Heureusement. Heureusement qu'elle a vie! Voilà! Enfin! Enfin, Lightning nous sert à quelque chose! Elle a enfin vie! Voilà! Mon Dieu!
Bon, on va changer, on va passer directement là-dessus et puis. Puis voilà. Hein, on va pas chipoter. On va pas chipoter, on va y aller direct. Hein, pas le temps de booster tout le monde. Hein. Nous on est un petit peu des oufs, hein, des oufs de la life. Et. On sent que je suis à bout, hein, je crois qu'on sent que vivement que le jeu se termine parce que là. Je crois que de tout le jeu, c'est vraiment la pire impression qui m'est donnée. Et pourtant, j'en ai eu des moments où j'ai ragé parce que le jeu était difficile. Mais là, clairement, je crois que c'est la partie la plus difficile. Et on m'a dit que c'était pas la plus difficile. Ici, il y en a plein, j'ai vu sur internet, qui battaient le boss que moi je n'arrivais pas à battre facilement. Genre, facilement. Et moi je me dis, j'ai du mal. Donc, j'ai un petit peu peur, je dois vous avouer. J'ai même pas qu'un petit peu. En fait, j'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup, beaucoup peur pour vous dire. Je m'imagine. Je crains le pire. Je crains tout à fait le pire. Ok, c'est bon, il est mort. Hop. Voilà, donc c'est Zaz qui l'a battu. On a obtenu 3000 points. Franchement, les monstres donnent beaucoup, hein. J'ai fait un seul aller-retour de toute la mine. Et j'ai. Enfin, après, j'ai fait quelques combats aussi. Non, je crois que je dis des bêtises. J'ai fait que les mines. Donc, enfin oui, j'ai fait que la mine, ça c'est sûr. Mais je crois que je n'ai fait. Enfin, justement, je n'ai pas fait de. Excusez, le téléphone qui sonne. Hop, on n'a rien entendu, le son a été coupé. Oh là là, ça lag. Ok. Donc là, face à eux, cache de la. Hein. C'est-à-dire fortifiant écran et c'est parti. Et alors la technique malgache, elle est très très connue dans le game. La technique malgache est très très connue dans le game. Et waouh. Wow. Ok, là ça lag beaucoup. Là le jeu il dit nope. Il en veut plus. Il en peut plus même. Il a été trop utilisé le jeu. Il en peut plus. Il y a des moments comme ça. Hein. Ok, Endo Foudre. On va pouvoir changer en. Allez, soigne, soigne, soigne. Voilà. Hop. Donc, on va passer en phalange. Enfin, on va taper sur la phalange plutôt. Alors, lui, je pense qu'on utilisera notre invocation. Clairement. Parce que je pense qu'il va être chaud à tuer. Bon. C'est comme ça. Hein. Là, ils sont beaucoup. Lui, il est très puissant. Il a beaucoup de points de vie, surtout. Surtout ça qui est très très embêtant. Il a énormément de points de vie. Et du coup voilà hein, forcément bien qu'on lui retire pratiquement 2000 points de vie à chaque fois mais il est très 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 violent. Alors on laisse hop en tant que soigneur parce que vu que j'ai pour habitude de ne pas m'occuper des autres et que voilà quand il fait commandement on va dire que tout le monde s'acharne sur hop vaut mieux. Que voilà que donc là il va faire son il va appeler des potes. Celui-là Zaz il en a tué un donc il devrait appeler des potes. Finalement on s'en sort plutôt bien par rapport à ce que j'ai pu faire ou vu dans le passé. On s'en sort plutôt bien. On n'aurait peut-être pas besoin de.
On n'aura peut-être pas besoin de d'invoquer. Eh, on n'aura peut-être pas besoin d'invoquer, hein. Franchement, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, mais on est plutôt pas mal là. On est même plutôt vraiment bien. Il appelle pas de potes, ce qui est plutôt bien aussi, hein. Faut le noter. Faut le noter. Pour le moment, il a pas. Il a, ah voilà, il appelle des renforts. Ok. Quand même, quand même, quand même. Faut pas déconner non plus. Il appelle des renforts. Ok, donc là, je pense qu'ils vont tous s'acharner sur Hop. Tous vont s'acharner sur Hop. Malheureusement, Hop va mourir, je pense. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Eh. Après, c'est vrai que tant mieux qu'il appelle ses des potes, parce que nous, ça nous fait des pesos gratuits. Hein. Enfin, gratuits, non, mais ça nous fait plus de pesos au lieu d'en gagner, je sais pas, je vais dire une connerie, mais 3000. Et ben, on en gagnera un petit peu plus parce qu'on battra plus de monde. Voilà. Donc, c'est tout bénef pour nous. Et puis voilà. Ok. Donc, la grosse boîte de conserve est morte. Maintenant qu'elle a été battue, c'est pas mal, hein. C'est pour nous. Pour nous, tout simplement, c'est cool parce que maintenant, il n'y a plus personne pour les booster. Enfin, hormis eux, ils vont se booster eux-mêmes, mais ça, c'est une autre chose. Mais il n'y a plus personne pour les booster. Et ils vont attaquer beaucoup moins vite. Et beaucoup moins fort. Et beaucoup moins rapidement. Enfin, bref, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et voilà, tant mieux. Allez. Donc là, nous, on va le tuer. Dommage, on va faire un gros coup. 6000. Bon, enfin, ben. Ok. Non, on a très très bien joué. Là, franchement, les amis, je suis très très fier de nous. Je dois vous l'avouer, je suis très très fier de nous. Voilà. Je suis très très fier de nous. Alors, il va se faire une amélioration, ce qui va servir, qui ne va servir strictement à rien, puisque bye bye. Voilà, tout simplement. C'était un petit peu l'inutilité de la chose. Voilà, et donc Zaz normalement va tuer le Mister. Voilà. Ah, peut-être nous. Ouais, c'est nous. C'est nous, hein. Ouais, c'est nous. Et là, on gagne 5000. 5000 pesos, quoi, les amis. C'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf. Alors, face à lui, on va directement passer en mode Ravageur Ultimate. Voilà. Et pas confondre Ultimate Spider-Man. Hein. LOL! Voilà. Alors. On passe en Rafale Furieuse. C'est cool comme nom, hein. Rafale Furieuse, quoi. C'est vraiment très très cool comme nom, Rafale Furieuse. Moi je trouve ça sonne cool. Ça sonne cool, ça se dit pas. Ah ouais, par contre il fait très 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 mal. Mais c'est pas grave puisqu'il est en état de choc. Et maintenant, il va mourir. Ah ok, on lui fait genre un foudre de nous. Genre comme ça, comme As, OKLM. Ah, par contre, le mec, il a une grosse chance à la magie. Hein. Parce que alors là, il prend très très cher dans les combos de d'attaque. Mais combo de magie, il prend que dalle. Mais il est mort. Et lui, il donne 1000. Ouais, 1000. Ouais, 1400.
Donc vous voyez, monter les pesos, c'est très très rapide quand on se quand on s'y met un peu, hein, j'ai fait ça pendant une petite demi-heure, une heure pratiquement. Donc voilà, faut s'y mettre et il fallait que je m'y mette de toute façon. Donc bon, hein, j'ai saisi l'occasion, hein, comme dirait l'autre. Je sais pas qui est l'autre, hein, mais comme dirait l'autre, j'ai saisi l'occasion. Il fait un de ses boucans, lui. Alors là, je crois qu'il n'y a plus de monstres. Voilà. Donc voilà, on arrive donc à la sortie de la grotte. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de cinématique parce que malheureusement, l'épisode, vous ne pourrez pas le voir. Et on va se donner les cristalliums à nos deux cocos. Donc en attaquant, on va continuer sur la vie. Important. Très très important. Oh, presque. Tant pis. Et du coup, elle. Hop, soigneur. Donc ça, c'est bon. On va partir ici. Force 14. Magie 18. Ici à force 15, magie 18, régénération, on s'en fout. Ok. Donc on est bon. Oui, on est bon. On va sauvegarder. Et on va lancer le combat. Et là, mes amis, si je ne réussis pas, je rage quitte. Voilà, vous êtes prévenus. Si je n'essaye qu'une seule fois. Si je ne réussis pas, je rage quitte. Ok. Fortifiant. Écran. Et c'est parti. Ça charge. Vous inquiétez pas, ça charge. Voilà. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Alors avant, on va changer de stratégie. Ravageur attaquant, soignant défenseur. Oui, c'est très très bon. Non, on va partir là-dessus. Voilà. Et c'est parti. Et alors là, franchement, on devrait s'en sortir. On va faire plus mal, on a plus de points de vie, on devrait plus y résister. Moi je dis... Voilà, déjà on a un segment TB en plus, ATB pardon. Donc déjà, voilà, on devrait, voilà, être, hein, normalement,
Voilà. J'espère vraiment pouvoir le battre. Les amis, je vous l'annonce. J'espère franchement pouvoir le battre. Parce que voilà, c'est vraiment ce qui me fait. Ah bah, ça a marché. Ok, il a tout. On va lui faire une dernière fois et ensuite on va passer en soigneur-défenseur. Ok, garde vitale. Ok. Allez. Ok, on va faire un soin 2, c'est pas de souci. Soin 2. Voilà. Allez. Donc là, il va repasser en. Ah non, il fait d'abord une riposte. Et là, normalement, il va changer pour. Voilà. Et donc là, on fait un choc brûlant. Oh oui, ça monte tellement plus vite. Les amis, on va l'avoir. On va l'avoir, là je vous le dis. Là je vous l'annonce. Celui-là, on va l'avoir. Cette fois, on l'aura. C'est obligé. Je ne me permettrai pas de vous annoncer qu'on ne l'aura pas et tout si on ne l'aura pas. Mais là, on l'aura. Là, vous inquiétez pas. Après, on va changer. Voilà. On voit bien. Hein, on aurait dû changer avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle a pas mal de points de vie. Donc bon, ça va. Puis ça garde. Ça garde. Comment. Ça garde de vie là. Ça garde vitale et pas mal aussi. Donc bon. Hein. Normalement, voilà encore un coup de pied. Je crois que c'est tout. Non, voilà, la riposte. Et c'est fini. On va repartir en saboteur et attaquant. Parce que là, du coup, il a. Ah si, il a toujours. Bon, bah, c'est pas grave. C'est juste histoire d'être sûr, hein. Parce que voilà. Hop. Allez, fragilité. Franchement, il y a de quoi faire. On peut l'avoir, hein. On va l'avoir même. On va l'avoir. Les amis, on va l'avoir. Dans cette fois-là, ce sera bon. Hop, va falloir qu'on change. Et là, voilà. Ah, éruption tellurique, par contre, ça va être pas, ça va pas être cool. Ça va pas être cool du tout. Ouh là 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 là. L'ordi a beaucoup de mal. L'ordi a énormément du mal. Voilà. C'est. Allez, on passe en ravageur. Là on l'a. Là on l'a. Là les amis. S'il faut, on bourre. Mais là. Mais là, on l'a. Oh oui, c'est bon. Il nous reste 600 secondes. Enfin. Enfin, je sais pas si c'est des secondes, des millièmes de secondes. Je sais pas comment. Ouais, non, mais là, on va bourrer. Hein. Là, les amis, je vous préviens, on bourre. Hein. Même si on risque de mourir et tout. Allez. Allez, on peut l'avoir là, les amis. On peut l'avoir. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye. Littéralement. Il faut qu'on bourre. Tant pis, même si c'est un petit peu short. Allez, quoi. Allez. Le X. Le X. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quoi? Ah non. Ouh. Oh putain.
J'ai vu raté en rouge juste avant la fin et j'ai cru qu'on était mort parce qu'on avait raté la truc. Mais ça va. Yoppa! Ah oh, putain, enfin! Excusez ma vulgarité, mais là. Oh, génial. Oh, j'en pouvais plus, les amis. J'étais arrivé à bout. J'étais arrivé à bout. Ouais, du coup, moitié du chapitre 11 fini ou chapitre 12? Dieu, j'en ai enfin fini avec ce boss qui m'aura fait chier, les amis. Je vous l'annonce. Horrible, horrible, horrible. Bon, allez. Allez, retourne sauvegarder. On sauvegarde et on va s'arrêter là du coup les amis pour cet épisode. Pour vous, vous aurez l'impression qu'on n'a rien fait dans cet épisode. Pour moi, c'est comme si on venait de me sauver, voyez. pour vous, ça doit être bizarre dit comme ça, mais je vous jure que il est 21h30, j'XP depuis 17h et j'étais juste à bout. Voilà. Voilà, donc je suis assez heureux de pouvoir vous dire qu'on va pouvoir continuer dans le prochain épisode sans rage, sans... Voilà, on a réussi. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le pouce vériser, vous abonner parce que là, j'ai vraiment, vraiment eu besoin de vous. Franchement, je voudrais faire de la YouTube Mouni. Je mettrai l'épisode où j'ai ragé, mais enfin, je le trouve pas joli. Autant pour vous que pour moi, il n'y a rien. Je fais que mourir, que mourir, que mourir. Donc voilà, je me suis dit, pas tout. Voilà, hein, de toute façon. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit coms, un petit abonnement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.